a Esprit Danse à Montbéliard pour faire de la danse classique avec les gardiens. Ça va sûrement faire sourire, mais on a passé un très bon moment avec une très belle séance et tout le monde a pris du plaisir. Esprit Danse, donc, c'est une école de danse qui est ouverte à Montbéliard, au 53 rue de Belfort, depuis septembre 2016. Je suis Lucie Gérardin, professeure de danse classique et diplômée d'État. Donc nous dispensons des cours de danse classique, de barre au sol et de feat ballet. Et j'ai également une collègue, Séverine Meunier, qui elle dispense des cours de modern jazz, street jazz, hip-hop, également des cours de renforcement musculaire et de pilates. J'ai été contactée par Brice Morin il y a quelques semaines et j'ai tout de suite été séduite par l'idée. Je trouvais ça sympa le côté décalé en fait d'accueillir ces garçons qui n'ont pas du tout cette pratique-là, en fait, cette discipline-là, et donc de leur faire découvrir la danse classique par cette petite initiation qu'on a eue aujourd'hui. Je voulais vraiment les sortir vraiment, vraiment de notre contexte. Alors ça les a fait rigoler hein, au début, et puis on a vu qu'au fur et à mesure de la séance, ils se prenaient un petit peu au jeu. La séance a été aussi très bien animée par Lucie, une belle pédagogie. Puis au final, on se rend compte qu'on a aussi des parallèles entre notre poste et puis le danseur classique, si je puis dire. Et voilà, une très très belle séance. On a fait un cours entier, on va dire, de danse classique, donc avec l'apprentissage des positions de pieds et de bras, les exercices à la barre, plier, dégager, jeter, une barre complète. On a fait également jambes sur la barre avec les grands écarts, je pense qu'ils vont en garder un très bon souvenir. Et puis ensuite, on a fait quelques exercices au milieu. Donc le milieu, c'est en fait le fait de faire les exercices sans se tenir à la barre. La barre, on pratique un côté, on travaille d'abord le côté droit, puis le côté gauche sur chaque exercice. Et le milieu, finalement, on se retrouve sans appui, on doit travailler son équilibre. Donc là, on a fait un exercice lent d'équilibre, justement. Je leur ai fait faire des petits sauts, quelque chose d'un peu plus tonique. Et puis des grands sauts et des tours. Ils avaient très envie de danser. Et puis, super bien débrouillés, ils étaient très investis, très sérieux, enthousiastes à apprendre une nouvelle discipline qui sort de ce qu'ils ont l'habitude de faire.